السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسبيرون مي جايبش ما بلا ما ينطموا الخلق. الجماعة إلا راكو تسمعوني ردوا علي الله يفتح عليكم وقولوا لي باللي راكو تسمعوني. ياسين تبارك الله عليك، عزول فلاك، عزول عمي سنتمورت، صحيت. اسكو فو مونتوندي 5 سور 5 تري بيان. مانجمنت ام اس سي محمد صحيت، رضوان، مهدي، عبد الوهاب تبارك الله عليك خويا جيار، قميقم تبارك الله عليك الشريف، فون كلاوز كلاوس فيتس، لو اس ام اش، السلام عليكم محمد كمال، او دو ساكري تون تران دو ساكروندير، كال بليزير. المهم مقنين زدي تبارك الله عليك خويا. كاسكو جالي دير جو بيا اكليا اكليا ورجع ورا اكليا. كاسكو جالي دير كاسكو جالي دير الجماعة بالك دو سوجي. لو برومي سوجي سا با سرابورتي ا تو سي جون كي سون اون تران دو ديليفري دي باسبور بور لو بارادي. Et j'entends par là les gens qui parlent au nom du peuple et ça y est, sont en train de distribuer des pardons à droite et à gauche sous prétexte que la situation l'impose, sous prétexte que nous sommes dans un autre état d'esprit, sous prétexte que le passé est le passé, sous prétexte que c'est pas les prétextes qui manquent de toutes les façons. Hein. Quand on veut incriminer quelqu'un, ce n'est pas les prétextes qui manquent. Et quand on veut pardonner, ce n'est pas les prétextes aussi qui manquent. Sauf que, il y a juste à signaler que la loi dans tout ça, le droit, la justice, l'équité, elle est absente. Que ce soit dans un cas ou là dans l'autre. Alors moi, je pose la question, vous êtes qui? Vous êtes qui, Ntouma, pour pouvoir dire à, par exemple, le Gaït Salah, il sera absous de ses crimes. Vous êtes qui? Et vous pardonnez quoi? Fahmouna, vous pardonnez quoi? Même la recherche de la vérité, même ce que impose un bon sens, un minimum de jugeote, nous impose au moins de savoir ce qu'on pardonne. Même cette vérité, vous en avez peur. À moins que vous n'ayez été un acteur et que vous risquez d'être dévoilé au même titre que ces criminels et ces assassins, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis en train de parler, mon ami, de tous ces gens qui veulent absoudre les criminels d'hier qui sont devenus les sauveurs d'aujourd'hui. Sous prétexte que maintenant, mettez-vous du côté du peuple, et c'est bon. Le peuple saura vous pardonner. Saura leur pardonner quoi? À la limite, ayez un peu de décence pour chercher la vérité et savoir quoi pardonner, même s'il s'agit de pardonner. En plus de ça, avez-vous demandé la vie des victimes? Avez-vous demandé la vie des torturés? Avez-vous demandé l'avis des assassinés? De quoi vous êtes en train de parler, Zetot et consort? Belli, هذه فرصتك الأخيرة للالتحاق بصفوف بصفوف من ثورة هذه اللي قامت على رؤوس التقتيل والتسفيك والخيانة والفساد. الله يجحها والله لا يبين لها نهار. ما كلمة الحق يضرب الراس نتاعها مع الحيط غير الطرطق. Vous êtes qui et vous parlez au nom de qui et vous parlez de quoi? C'est quoi ça? باغين الجويهرة اللي راها باقية في العقل باغين تنقلوها لنا.
Nous ne pardonnerons jamais aux criminels qui ont décimé 250 000 morts et qui ont kidnappé 20 000 disparus qui, jusqu'à maintenant, on ne sait même pas le 1 millionième du semblant de vérité à leur égard. Les gens qui viennent défendre Elias Rahmani sous prétexte que ça y est, maintenant il est en train d'incriminer Tufik. Il est en train de se disculper, de se détacher. Qu'ils nous disent en quoi il a été témoin. Qu'ils dénoncent les faits, mais chez les personnes. Qu'ils dénoncent les faits. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu comme instruction, ce qu'il a donné comme instruction, qu'ils nous le disent. On ne pardonnera pas sinon. Le pardon se base sur la vérité. Si pardon il y a, et tout le monde n'a pas le droit de parler de pardon. C'est à la victime qu'on demande pardon. Ce n'est pas au spectateur de la victime qu'on demande pardon. نالي يجيني واحد اللي فقد امه ولا فقد باه ولا فقد اخته ولا فقد خوه ولا فقد ولده ولا فقد بنته ويقول لي جو باردون لا جو بو كومبروندر لا جو بو كومبروندر مين باغيين تكلبونا ولا واش راكم تحوسوا ميرسي دو مي رابلي قميقم خويا Shakib aussi, Shakib Khalil aussi, il attaque Tufik. Donc celui qui veut se créer une crédibilité, il attaque Tufik. Oui, quand tu es en 2012, quand on attaquait Tufik et qu'on venait nous traiter de tous les noms, comme si on avait touché à Dieu, Azza wa Jal. Vous n'avez même pas pris la peine de défendre Khnashishna, Bark. Ne défendez pas la vérité. Donc, et on n'avait pas besoin d'être outre-mer pour le faire. Ce n'est pas pour passer pour le héros du film. Mais il faut que le poids de la vérité soit pris par certains de nous. Il faut que le poids de l'équité soit pris pour certains de nous. Des gens qui ne veulent pas perdre un minimum de respect pour eux-mêmes. Un minimum d'estime pour eux-mêmes, tiens. Vous êtes qui ? Fahmouna, vous êtes qui ? Au nom de quoi ? Ou vous pardonnez quoi ? Hadi Wahda. La deuxième des choses. On en avait discuté avec mon frère Khamikam ou Alilou, etc. Il est temps à ce qu'on nous explique à quoi rime cette grève de l'université. C'est quoi les revendications qui sont derrière cette grève ? Qu'est-ce qu'ils veulent à travers cette grève ? Cette grève est là pour servir Gaït Salah, pour servir le système. Les gens qui veulent à tout prix maintenir cette grève sont des gens qui ne veulent en aucun cas que le Hirak Hada il aboutisse à quelque chose. Ayons le courage de les dénoncer, de les désigner du doigt, chacun à son niveau, au niveau de chaque pôle universitaire. Si vous entendez quelqu'un appeler à la grève, c'est que c'est quelqu'un qui ماشي كلي الكاشير راه يخدم في الكاشير هو. Au nom de quoi cette grève ? On a besoin maintenant de l'infrastructure de l'université. On a besoin de la composante humaine de l'université. Parce qu'il n'y a aucune autre infrastructure, ni aucune structure qui est en mesure, à tout prix, de nous dégager quelque chose de concret, de nous dégager une plateforme, de désigner des personnes capables de parler de transition, capable de traiter toutes les failles de la Constitution, capable de faire face à tous les bâtards recyclés qu'on ne cesse de nous afficher, soi-disant comme quoi c'est eux qui vont gérer la nouvelle ما كان حتى واحد عنده لاكلي يا جماعة المهم خلي الزبل للزبل قيوة نال نقول لك المهم دونك فوالا هو نوني يا جماعة كي سون ديريير لا غريف دو لونيفرسيتي il faut à tout prix que les étudiants les désignent du doigt et les dénoncent
au niveau des réseaux sociaux, partout. Ils doivent les dénoncer. Ces gens-là font partie des racines de ce système, qui savent très, très, très bien. Comment dire, la solution émane de là. La solution réside de là. Donc, Yajmaha, en tant que. Merci de me rappeler encore une fois, Kmikam, les organisations estudiantines qui sont directement affiliées à FLN ou l'ND, c'est eux qui sont en train de mener la barque de cette grève injustifiée et qui fait très très bien l'affaire du système. Depuis quand le système ne s'inquiète pas quand il y a une grève à l'université? Cette fois-ci, il donne un mois de congé. Et en plus, il est très très bien à l'aise tant que les gens sont en grève à l'université. Pourquoi cette grève? Qui est derrière? À quoi ça rime? Ça sert à qui? Quelles sont les revendications de cette grève, Aslan? Aïe. Donc, effectivement, Merdias, effectivement, l'université est la pièce maîtresse. L'université est une pièce maîtresse qui peut tout changer. De l'université peut se dégager aussi bien une plateforme qu'une composante humaine capable de gérer une transition et de faire des propositions et de faire face à toutes les manigances. Et il suffit que cette proposition soit. Parce qu'en fin de compte, nous n'avons pas encore, nous, en tant que Hirak, on n'a pas encore détaché une plateforme et des représentants qui parlent au nom de cette plateforme. Eh bien, l'université peut le faire. Les différents pôles universitaires peuvent le faire. Ils ont l'infrastructure nécessaire, ils ont la composante humaine nécessaire et ils devraient avoir aussi la motivation et la volonté nécessaire pour le faire. Donc, Ejma, il est temps à ce que maintenant, autour de nous, on pose les mêmes questions, on ait la même revendication. L'université est un bien public. Ce n'est pas le bien de l'État. C'est un bien d'achab. Oui, on va nous réunir pour discuter, pour dégager quelque chose. Oui, on va nous réunir. Oui, on va. Ça, c'est le débat de la composante humaine. Le débat des gens, des représentations, n'est pas un débat qui devrait être à la portée de n'importe qui. Je suis désolé. Depuis 62, n'importe qui prétend nous représenter, n'importe qui dit, Jéhil, Jéhoul, il dit, un député, un ministre. Pour une fois, si on s'est soulevé, c'est pour que cesse ceci. C'est pour que le mérite requiert sa place. Donc, Jma'a, ciblons ça. Mais nos enfants, les universitaires, comprenez l'enjeu, s'il vous plaît. Les professeurs universitaires, comprenez l'enjeu, s'il vous plaît. Vous avez un rôle à jouer, ne marchez pas avec nous. On n'a pas besoin de vous dans les rues. On a besoin de vous dans les rangs de l'université pour discuter, pour générer des idées, générer. Décrocher, développer quelque chose. Donc arrêtons, Ejma. Quoi, c'est devenu la balade des gens heureux le vendredi ou là, c'est quoi ça? Vous n'êtes pas en mesure de défendre votre position au sein d'une université dans laquelle on est en train de vous imposer une grève injustifiée. Ou raktkhorj, bach tkouli yaskot yaskot nidama. Aoudi Allah ina al-shaytan, Ejma. Donc, soyons clairs, nets et précis. Les gens qui veulent maintenir cette grève à l'université, c'est des gens, ils se sont déjà définis, c'est bon. Un jour, il est appelé à nous ramener des potiches. C'est à travers ces gens-là que ça va réussir. C'est ces gens-là qui sont en train d'infiltrer l'Irak.
parce qu'ils ne veulent pas que ça aboutisse quelque part. Malish, tu me chies vendredi. Sans souci. Mais ne dépassez pas ça. Donc voilà mes deux messages, Jemaa. واش بك لاله مساوي كرهتي ما نحبس نهضر اوكي اوكي وانا كومبري ها نزيد انا بالتكرار يفهموا الحمار اللي كيفي معليش لا حول ولا قوه الا بالله بون جماعه فوالا راه كرهت لاله ما نزيدو لهاش رحم والديكم مي اسيي دو بارطاجي سو ميساج او ماكسيموم جو بوزي كومبري هذا هو بورتي فو بيان ونهاركم مبروك وليلتكم مبروكة والسلام عليكم ورحمة الله.